Vous êtes là depuis dedans. Vous êtes là depuis votre enfance. C'est mauvais puis depuis de la sorcellerie. C'est maintenant que je suis que c'est mauvais. Donc quand vous je commençais, je ne savais pas que c'était mauvais. Je venais d'apposer une cause personnelle pour moi. Tu es l'homme là, c'est pas mauvais. Au départ, je ne savais même pas que c'était mauvais. Mais. Au départ, je ne savais pas. Et quand j'ai appris vos postes, c'est là. Donc quand tu tues quelqu'un là, c'est pas pour ses mots. Mais pour tuer quelqu'un, c'est pas qu'on le prend, tu vois, comme ça pour le tuer. On le déforme en cabri ou bien à n'importe quel animal comme lui. Donc nous, on ne sent pas qu'on a tué. On ne sent pas qu'on a tué l'homme. Oui. On ne sent pas qu'on a tué l'homme. Mais ce n'est pas les forces qu'on nous annonce maintenant. Et là, nous, on a. Moi, j'ai senti maintenant l'attention. On m'a parlé de Bailly. Bailly n'est pas arrivé à Yé. Il est arrivé à Kidoko et Gros. Moi, cette fois-ci, on ne m'a pas encore d'une fois. Tout le à côté, j'ai pris mon vélo. Et puis je suis venu. Voilà. Et je viens, je te cours effectivement une porte. Une porte que. La porte. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Monsieur le président, je me soumettre sur lui. Pour que je sois délivré. C'est pour ça que tu as tenté deux fois. Ici, là, tu as tenté deux fois. Deux fois. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 19 personnes. 19 personnes. Oui. Bon, s'il vous plaît. Comment tu fais pour tuer? Pour tuer, je prends mon filet et je déguise la personne en cabri. Je transforme la personne en cabri et j'appelle mes amis. Je dis bon, venez, le cabri là m'appartient, on va attraper. Donc on le couche entre deux maisons. Les autres passent par là-bas, moi j'étends le filet. Le capri vient prendre le filet et on les... après les enfants, on les viole là. Et on amène à la place pour tout. Ok. Donc tu as tué. Tu as dit combien de personnes? 9. 9 personnes. 9. 19. Ah d'accord, 19 personnes. Le nom de tes victimes. Donne-moi le nom des 5 personnes que tu as tuées. J'ai tué ma grand-mère, deux médecins. Tu l'as tuée comment? Elle m'a fait une... à cause de l'or. À cause de? À cause de l'or. De l'or. Voilà. Quand ma maman m'a fait partir à Mchokro, alors j'ai voulu. Il y avait de l'or dans sa chambre, l'or familial. Donc j'ai voulu voler là. Et puis vendre les trucs pour aller en Europe. Et là, j'ai appelé mes amis. Donc, on appelle à Rémi, il dit que tu peux. Ah, c'est à dire, si tu veux qu'on en tête, on va t'aider. Il dit bon, d'accord. Attendez, moi, si je vais essayer d'abord. Si je n'ai pas vu, je vais là, il allait m'aider. Attendez, moi, devant la porte. Bon, moi, je suis bien caillou. J'ai mis ça à sa porte. Moi, tu as fait quoi? J'ai mis ça dans sa porte. Tu as chopé un caillou? Un caillou. J'ai mis ça dans sa porte. Quand les gens voyaient, croyaient que c'était un furon qui était dans au cou, alors c'est le caillou qui est blessé là-bas. C'est un danger, c'est ça? Voilà. C'est un danger. Voilà. Et elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Oui. Et tu as mangé? Oui. Tu as mangé quelle partie? J'ai mangé la cuisse. Et puis le cou. La deuxième victime. Lui dit, c'est pas vous, Kofi. Comment tu l'as tué? Lui, je l'ai arrêté par arrêt de poisson. Explique. Explique. Arrêt de poisson, j'étais en train de manger. Et j'ai pris l'arrêt de poisson et je l'ai brûlé au cou. Durant deux jours, je suis en train de poisson. Et il est mort. Tu l'as mangé? Oui. T'as transformé en quoi? Il est transformé en cabri. T'as bien cabri, hein? Il a mangé cabri. Oui. La troisième victime. Troisième victime. C'est ma tante, Sophia. Explique. Sophia, comme on est resté au Fédin, on va, on travaille, on vient, elle prépare, donne à ses enfants et elle nous dit. Elle ne sait pas que c'est nous qui travaillons dans le champ de son mari. Et là, la femme m'a dit avec nous. Bien, merci. Oui, mais expliquez. Explique comment tu as tué.
Ouais, on a tué par Pican. Pican. Ouais. On a placé Pican sur la route du champ. Et on a piqué dessus. Et puis on fait jusqu'à. Donc, on aura. Elle a tué KO. La quatrième personne. La quatrième personne. Quatrième personne, c'est. Quatrième personne. C'est Yao Kwaku. Yao Kwaku, c'est mon nom. Tellement que je suis amoureux. Et il avait deux filles. Quoi? Oui. Il avait deux filles. Et il a garanti à ses filles que à quand il est venu arriver pour voir là-bas. Il a... Ne riez pas, c'est pas c'est sérieux. D'accord. C'est plus, on m'entendait. Faut pas que je vous voie avec des petites idées. Quand on nous dit que c'est un grand sorcier, c'est pas ça, moi, on lui fait renvoyer ici. Donc, faites-le l'occasion. Ok, tu t'es pas encore touché, puis tu m'agresses. D'accord, j'ai compris. Tu peux pas aller chercher les filles en sorcellerie, hein, la nuit, aller là-bas. Hein? Parle. Mais comme je voulais l'autre. Et puis, on peut pas m'emmerder. C'est là que, en tout cas, ça n'a pas marché. J'étais en train de manger, j'ai bloqué sa main. Il s'est sorti dans un arrêt, c'est pas sorti dehors. Il n'a plus respiré, il a plus au cabot. Ça y va? J'étais en train de manger. Mm-hmm. Et j'ai bloqué pour tout là. C'est passé par ses narines. Ce n'a pas pu sortir. C'est collé dans son nez. Tout de suite, il est tombé mort. Tout son bras, c'est bon. Et lui, il est venu. Comment tu as arrangé? Hein? Tu as fait des incantations, c'est ça? Oui. Mais c'est ça sur mon bras. C'est pas bon, ton bras. C'est là qu'on voit la barre. Vous prenez sa bras. Vous parlez. Vous prenez sa bras. C'est pas bras qu'il a. Attention, faites très attention. Il fait des grimaces à ce qu'on puisse rire tant, tant, mais il rêve d'essayer. Qui essaie verra son résultat. C'est pas moi. La cinquième personne t'a tué. Et Amani Kwaku. Amani Kwaku, franchement, moi je suis joueur, il est joueur. Et qu'on se croise, vraiment il fait tout possible pour gagner mon équipe. Et là, j'ai vu le chef du groupe. Il dit, ah, voilà, chef, moi c'est ce village-là qui nous gagne. Chef, moi c'est ce village-là qui nous gagne. Mais moi j'ai possibilité pour travailler équipe là, là, il pourra plus revenir à nos rencontres. Je dis, bon, si tu peux. On va voir ça. Quand le prochain qui vient. Quand le prochain, je dis allez, allez. Allez, en même temps, la match, il a posé contre nous. Alors, moi j'ai fait mes techniques là. Je ne sais pas si est malade. Alors, on a envoyé un petit d'ailleurs lui servir du bandit. Et quand il a pris le bandit du renier, il a commencé à voir mourir. Il n'est pas venu au match. Et nous, on a créé ce jour. Et au moment où les deux se retournaient, on m'a dit quoi, tu es mort. Tu l'as mangé? Non. Lui, il a son village à part. Mais tu l'as tué pour quoi? Hein? Tu l'as gaspillé, John. Mais puis nous, oui, il faut qu'on évacue. De nous. On était pris quelqu'un à tout moment pour faire des sortes que tu puisses nous citoyens. Ça fait jusqu'à 19 personnes que tu as tuées. Pourquoi tu as un œil? Mon œil? J'ai changé ça en puissance de ce chat pour pouvoir combattre. Si j'ai. Ça veut quoi? J'ai vendu mon œil en échange de chat. En forme de chat. Tu as vendu ton œil en échange de pouvoir de chat? Oui. Faut bien l'expliquer. Il a dit, j'ai donné l'œil et la personne m'a donné la puissance du chat. Ah, vous suivez ça? La personne m'a donné la puissance du chat. Comment? Faut bien l'expliquer. En échange de mon œil. En échange de ton œil. Oui. Ils t'ont donné quoi? Ils m'ont donné un chat en puissance. Un chat qui a pouvoir dans le chat qu'on peut rentrer pour aller faire des combats, faire de la chasse, n'importe quoi. Tu as déjà quitté le village pour aller tuer les gens d'Europe? Non. En dehors de ton village, tu as tué?
mon village paternel, il n'a jamais fait de ça. Mais village maternel, je suis dangereux là-bas. Parce que mon village maternel, c'est là-bas que je suis grandi. Des amis, des équipes, des femmes. Qu'est-ce que tu as fait des victimes dans ta famille? Tu as gâché qui est qui? Tes proches? Dans ma famille, j'ai bloqué notre richesse qui est l'or. Et mes petits frères piétinent en me cachant. Piétinent l'or? Oui. Comment piétinent l'or? C'est-à-dire, ils me trivent. Il faut bien l'expliquer. Moi, je ne suis pas au courant. Parce qu'au départ, c'est eux qui vivaient avec le père, ils marchaient ensemble pour aller voir les orphelins. Et nous, on cherchait les orphelins pour donner à mon papa. Donc, quand le père est mort, en 2007, le terrain est resté là. Moi, j'étais en construction à zéro. Et Dieu dit, ah, comme le vieux est mort. Et lui, il a donné une partie. Ils ont construit 10 bâtiments. Le reste, là, on peut chercher un entrepreneur pour l'utiliser. Et puis, chacun peut avoir sa part. Il peut construire, il va construire. Et voilà, j'ai compris. Mais on a une femme, deux femmes, elles ne sont pas là. Si elles arrivent, là, on pourra faire la réunion pour partager le compte. Petit à petit, petit à petit, terrain fou. Un kilomètre, presque deux même. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Bon, en bas, là-bas, qui complète maintenant 2,5, c'est l'or. Et ils vont négocier avec les orphelins. Quand j'ai demandé, non! Ça, c'est Hébert. Quand je vois Hébert, me dit, ah, c'est tout. Quand je vois Doum, qui s'est peine, je dis, ah, tiens. Après, ça fait 3 mois de cela. Moi, je suis allé sur le terrain. Je vois rien. Donc, il y a une petite bassin là. On dit, il n'y a rien, mais là, ça vaut comme d'ici. Le manguier qui est là-bas. Donnez un bon, vous avez tout vidé sur 2 km de terrain. Donnez-moi petit là. Non, mais l'eau, vous ne pas donné. Donc, moi, petit là, je vais me chercher. Oh, il faut voir Doum. Il faut voir Ben. Il faut voir Ben. Il est bon, d'accord. Et on voit maintenant. Ah, mes frères. On est des mêmes mamans, non? Et même papa, non? Pourquoi vous pouvez me faire ça? Il n'est plus rien. Merci. Elle va être sorcier. Merci. C'est là, moi, je suis parti. J'ai arraché l'or là. J'ai mis dans les entiers tout creusé. Et le reste là, il n'y a plus de manière à mettre dedans. Il voit qu'il creuse maintenant, il ne gagne pas. Il tourne ici, il tourne ici. Les contrats signés avec les opérés qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se retirent. Mais tu ne pouvais pas toi-même là, prendre hors la palais vendre. Il a caché ça dans les trous. Non. On ne peut pas creuser, on ne peut pas aller vendre comme ça. Mais comment tu as fait pour prendre palais à mettre dans le trou? Je vais vendre là. Je vais vendre en sorcellerie. Mais je cache pour me profiter de moi. De la manière dont je les ai pillés, c'était le plus petit. Et puis nous, en jeu du grand frère, on a très mal fait. Vraiment, tu as raison sur nous. Mais vraiment, il faut nous délivrer. Moi, je vais m'occuper de toi. Et grâce à Père, j'ai eu le courage d'être sous vous. Donc, je demande la délivrance de toute la famille. Tu as libéré l'or de Hiré. L'or de Hiré. C'est pas tout Hiré. Arrête tes comédies, la comédie. Tu vas libérer l'or de Hiré, là. Je te pose une question. Tu vas libérer l'or de Montéré. Est-ce que tu en as le diamant? Tu vas libérer l'or de Hiré, là. Tu vas libérer. Tu vas libérer ça. Oui. Tu vas libérer ça. Oui. Oui. Tu vas laisser. Je vais laisser. Tu vas laisser. Je vais laisser. Quels sont les gens que tu as détruits dans ta famille? Dans ma famille? Non, j'ai déjà cité un, qui est le plus petit, et bien, mes trois enfants, plus en. Venez, il va vous libérer. Où sont les enfants? Mes deux amis et mes deux cousines. Ah, les amis aussi qui. Toi, tu loupes pas quelqu'un. Hein? Même les enfants, mes amis, tu les loupes pas. On dit mouton et brut, où on l'a attaché. Vous poussez un peu, s'il te plaît. Cunha tia yo no.
fais, monsieur. C'est sérieux, tu fais, tu danses. Tu n'es pas plus. Prends le micro. Regarde bien, petit frère. Tu es victime, tu l'as appelé. Tu l'as fait pas sur quoi, qui est qui. Vous parlez, monsieur. Les frères, les garçons, je les ai privés dans un canari, d'autres dans mon anus, pour les libérer. Il faut que je libère tout. Je vous demande. Tu as mis la chambre de tous à la cour. La chance. De tout cela, tu as caché ça où? J'ai mis dans un canari. Ah, mais tu peux dire? Tu n'as pas dit. Je dis, je et quand tu dis ta chance, ça veut dire elle doit avoir quelque chose, tu as pris, tu as mis dedans. Lui doit, elle doit avoir ton ami. Donc tu dis, c'est que tu as pris sur chacun pour aller mettre dans le canari. Hé, voilà. Hey, parle. Tu as pris quoi sur chacun pour aller mettre dans le canari? Je ne faut pas, je ne suis pas en train de te forcer, hein. Mais allons-y très vite. Tu as pris quoi pour aller mettre dans le canari? Leur richesse. Leur richesse. Ah, alors allons-y. Tu as pris la richesse de qui? Il n'y a plus la richesse. Pour les investir. D'abord, père. Monte. D'abord, il paie. Oui, monte, hein? Monte. Pour les investir. Voilà, aider. Oui. Le plus jeune. Oui, le plus jeune. Oui, sa richesse, là, c'était comme habite à les mains dans les canaries. Sa richesse. Et, bon, comme il vend de l'or. Monsieur, expliquez. Comme il vend de l'or. C'est pas une question de l'or. C'est plus de riche. Et l'argent est gardé. Est-ce que toi, tu es assez sorcier et tu as raison? Pose-toi sur les murs. Comment tu as pris la richesse pour aller garder? La richesse, c'est ce qui va économiser que j'ai soufflé dessus, j'ai pris une partie, j'ai 5 000 euros dedans, j'ai mis dans le canal. Comme ça, j'ai fait tout le monde, j'ai mis dedans. Donc, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il gagne, ça s'évapore. Voilà. Il a mis 100 000 francs, il vient voir, ah, ça lui reste au moins 60 000 francs. Ah, mais je n'ai pas mis 100 000 francs. Ça provient de l'esprit. Et puis, ça reste. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu as gâté pour faire qu'il y ait l'argent. Mais il ne me donne pas aussi. Il n'a plus de poids pour l'argent. Toi, tu vas être ton enfant. C'est toi qui l'as mis au monde. Oui, mais justement, il fallait travailler pour que dans ta vieillesse, tu puisses manger. Tu en effet pratiquer la sorcellerie, Et l'obligé de t'occuper de toi. Ce n'est pas l'obligation de s'occuper de toi. Tu n'es pas obligé de s'occuper de toi. Tu comprends? Tu as passé toute ta vie en train de faire sorcellerie. Ce n'est pas l'obligation. Ne vois pas ça comme une obligation. Il n'est pas obligé de s'occuper de toi. Pourquoi? On t'a soumis au monde. Tu as aussi vécu jusqu'à 72 ans aujourd'hui. Et c'est lui qui a quand même s'occuper de toi, ton frère. Pourquoi? Lui aussi, il a une vie à mener. Parce qu'il ne suit pas de toi. Ça se passe, c'est une raison, ça? Tu as passé toute ta vie à faire sorcellerie. Lui a quand même s'occuper de toi. Toi, Gaïa, que tu es là. Où tu as mis ça, ça chance? Prends le micro. Mais habitue-toi maintenant, habitue-toi. J'ai pris, j'ai mis dans un canari, mais il a été déposé 6 ans pour manger. Où ça? Chez moi au champ là-bas. Au champ? Oui. Dans vos champs là-bas. Bon, c'est évident. C'est évident. Tu as fermé ça bien? Oui. Tu vas laisser? Oui. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Bon, les femmes, eux, je n'ai pas. Tu as gâté quoi là? Rien. Si elle te dit ce que tu as fait, j'arrête les aveux. Et je te chasse ici. Non, je ne suis pas. Non, c'est pas l'amusement. Hein. Je ne suis pas en train de m'amuser. Tu sais bien ce que tu as fait. Ne me laisse pas d'ici, me laisse dire, je te chasse et tu pars avec ta famille. Tu es venu te délivrer ou tu es venu faire sorcellerie. Hein? Ben, le fait de cacher n'est pas me parler là, c'est sorcellerie. Tu ne veux pas te délivrer avec, tu pratiques encore la sorcellerie. On est si sérieux.
celle-là. Au palais. Un jour, on était parti. Pardon. Voilà, je suis Saint-Guerre. Il sait pourquoi il est ici. Non, vous n'avez pas oublié de dire à quelqu'un, s'il ne veut pas, on le, il ne parle pas, je lui donne le visa de la Mauritanie. Je trouve le visa à 6 visa. Vous allez voir lui là. Je vais arrêter son cœur et puis vous l'enverrez, vous l'avez détruit. En tout cas, ça va amuser. 2015, amusez-vous, hein. Venez déranger les gens. Il y a encore un dossier de mort et sorcellerie. Je prends ton nom, allez, je fais ça au cimetière, là, dans 3 jours, on t'envoie au cimetière. C'est là. Monsieur, vous avez fait quoi dans la vie de celle-là? C'est là. Je n'ai pas gâché sa vie. Mais, tout simplement, elle ne m'a pas respecté. Elle ne m'a pas respecté. C'est une question de mariage. Quand elle a fait sa première présence, qui a gâché ça? C'est moi. Mon père a failli me frapper. Au champ là-bas. Non, ce n'est rien. Gâter pour ça, ça ne va pas gâter. Oh, vous voulez ce type-là. Il est chassé d'ici. Mais quand tu dis que tu n'as rien fait, quand toi tu ne vois pas ça, quelque chose, gâter pour ça. Je n'ai pas dit tout à l'heure, je n'ai rien fait. C'est ça que je n'aime pas. Est-ce qu'on a oublié de te forcer à parler? Tu n'as pas voulu parler, mais tu quittes chez moi. Tu quittes carrément ici, tu vas ailleurs. On peut avancer. Je ne te force pas. Qu'est-ce que tu as fait à celle-là? C'est pas que j'ai dit là. Quoi? Que son mari a voulu, que le jeune a voulu me frapper au champ là-bas. On a rien cassé quelque part. C'est le jeune là, il a pris comme son époux. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Elle dit, c'est forcé. C'est lui qui l'a vu. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont pris la première poussette. C'est ça? La grossesse s'est gâtée? Je suis devenu. Tu fais quoi encore? Je sais ce qui change, moi, là, je sais ce qui est vrai. Bon. La même. Pourquoi? D'ajouter sa chambre dessus. Moi, je n'ai rien à manger. Quand je vais chez elle, je ne sais pas, elle me donne. J'ai arrivé un bout, elle s'en prend pas. Quand elle me voit à la maison, elle se prend. Quand elle ne me voit à la maison, elle se prend. Quand tu vas manger, tu gagnes un peu là. C'est pas si tu es bon. À partir d'aujourd'hui, je suis plat en fait. J'ai bien pris chez toi. Donc, allez. Aussi, j'ai pris sa chambre. Puis, je suis parti chez moi avec. Donc, tu as gâté quoi? C'est tout. Tu ne couches pas avec elle. Ce n'est pas ta femme en sorcellerie. Ce n'est pas ta femme en sorcellerie. Ce n'est pas ta femme. C'est ma femme. Alors, pourquoi tu ne parles pas de ça? Elle est ton mari. Ton mari, c'est la nuit. On va les faire parler avec moi et pas. Donc, je ne voulais pas déjà manger. Si, je sais. Je suis fort dans le gâteau. Depuis bébé jusqu'à aujourd'hui, c'est bien seulement de la vie elle. Mais comment elle veut l'apporter, je demande une délivrance, de bonheur, de chance pour elle. Tu as fait quoi si elle? On n'est pas ensemble depuis son bébé. Ah, moi, je ne vais pas jouer à moi. Je ne sais pas quitter ça en France. Il ne faut pas jouer à moi ici. Tu as fait quoi si elle? C'est le même cas là. Celle-là, c'est ma petite soeur. Ton mari, ton premier mari, son fils, il prend encore ma fille. Je dis non, ça ne se fait pas comme ça.
Toi, le père, tu as déjà caché la tante de la fille. Et tu viens prendre en force la fille, donner à ton fils. Là, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Et bon, comme elle a engrossé, envoyé un cabri, le frère soit aéré, je vais donner des bénédictions. C'est ça? À l'enfant. Il a demandé. Ils ont envoyé cabri mort, dépêché. Oui, oui, n'est pas mal, mais c'est pour moi seulement qui est mal. Voyez ça, on peut mal traiter un enfant. Vous n'entendez pas. C'est pas la graine que vous voulez manger. Moi, c'est un cabri vivant, vous cherchez. Un cabri vivant, là. On t'a aidé à couper les cabris. Il m'a envoyé un cabri, une part de cabri. C'est ça, moi, si j'ai complété mon cabri. Tu as combien? Il m'a envoyé une part de cabri. Une part de cabri, de fresco. C'est ça. Elle est bon, ça ne fait rien. C'est une femme en grossesse, c'est moi-même ma propre fille. Donc, moi, je vais compléter ma part de cabri pour être entier. Pourquoi j'ai pris le bébé qui est dedans? Comment tu as réussi à prendre le bébé? Hein? Comment tu as réussi à prendre le bébé qui est dedans? Le bébé, je suis parti. Je suis parti. Calmement, dans une nuit. Je suis arrivé là-bas. Tu vois, ça donne. Et je suis arrivé là-bas aussi à 1h30. Donc j'ai fait mon opération. Comment t'as fait l'opération? L'opération? Nous avons. Il y a toute technique là-bas. Nous avons commencé. J'ai pris une piqûre. Oui. Et tout ça dans le terrain. Le pays. La grossesse. Ton barbe. Oui. Et puis là-bas est venu. Toute la grossesse. Oui. Je n'avais pas dit que je n'avais rien fait. Tu vois comme tu veux me fatiguer. Hein? Oui, mais c'est pas la première fois que tu fais ça. C'est pas la première fois que tu fais ça. C'est pas la première fois que tu fais ça. Vous avez vu? Hein? Si ça amuse, je le chasse et puis il ne viendra plus ici. Hein? Je signe son visa, je lui donne le visa de la Mauritanie. Et vous l'envoyez plus ici, le faire le point ici. Il n'a pas dit la vérité. Qui pratique ça? Ce n'est pas lui qui paraît sur ce lit. Mais dis ce que tu as fait pour lui. Qui ne sait pas qu'il est changé ici? Alors, tu ne veux pas être soigné. Tu ne veux pas être soigné. Comme il y a janvier qui arrive, tu veux manger. Tu veux manger. Arrête ta comédie là. Hein, tu vois, là tu veux manger. Tu es en carême forcé et gêne là-bas, là, on ferme. Tu t'es levé pour toucher orteil, ongle. Ça a brûlé ta langue. Sorcier. Il a tout seul à la sorcellerie. Le bébé aux envoyeurs, c'est des sorciers. Le bébé est sorcier. Ah, le détecteur me signale. Tu vois les yeux, le détecteur me dit, c'est des bébés, ils ont déjà ça. Ils ont la maladie. Ils vont manger demain. Une vraie diligence? Non. Henriette? Oui, c'est vrai. Elle n'est pas avec moi ici. Elle est arrivée hier nuit. Bon, comme j'ai pris tout le groupe. Regarde, laissez-moi lui donner son visa. J'ai pris tout le groupe. Hein? La famille Blé, j'ai pris des mises. Monsieur. C'est ça que je dis là. C'est la famille, j'ai bloqué les gens pour mettre dans la maladie. C'est ton commerce. Toi, tu dois être une grande commerçant, tu dois avoir l'argent. L'argent dans le commerce. L'argent. Lui, là, c'est pas dans Canary, hein. C'est dans le coquille d'escargot. Il allait cacher. Il agit dans les ordures. C'est pas ça? C'est pas ça? Il est moyen. Son effet, il va te manger.
Je vais parler à lui. Il dit Canary. C'est pas dans un coquille d'escargot, tu as mis sa chance de connaître. Ou bien? C'est pas la fête, ami. Je vais prendre la parole. Tu es voyou. Tu es voyou ici. Et... Il fait mal. Qu'est-ce que tu as changé? C'est comme ça. Pas les mains. Attention, lui la même haine. J'ai signé le visa. Non, il va délivrer. C'est la chose la plus sûre. Mais laisse-moi le visa, il est donné. Dans le secret, on va régler, il est donné le visa. Il a mis son visa là, il est déjà plus près. Oui, lui. Deux par nous. Monsieur, vous n'avez fait quoi, lui, là? Eux, ils m'ont frappé. Tu as fait quoi, lui? Tu as gâté quoi? Pas ce qu'il t'a fait. Tout ça, l'autre. Mathieu. Mathieu. Voilà. Il est là, il est là. Voilà. Oui. Les deux, là. Ils ne veulent même pas me voir. Monsieur. Il a été le premier à me combattre. Il a gâté quoi lui? J'ai pris sa chambre de travail et l'argent du travail. Tu as mis ça où? J'ai mis ça dans le canal. Ok. Tu vas laisser? Oui. Lui. Lui. Lui, c'est ce que j'ai dit là-bas passé. Il m'a blessé le pied en me frappant. Vous avez fait quoi, ce monsieur? Là, moi, on est venu bloquer la chambre. Et lui, il a foutu tout entier. Et j'ai foutu dans mon anus. Il est venu dans mon anus. Hein? Il est venu dans mon anus. Anus. Anus, ce n'était pas bon, mais là, pour sorcier. Anus, ce n'était pas bon, mais là, pour sorcier. Il a gâté, hein? Anus n'est même pas bon. Puis c'est pour sorcier, là. Je vais mettre.